Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Très bien, et vous? Admirablement bien. Oh, carrément. Voilà. Pourquoi ça? Parce que c'est bon, ça y est. Oui. Ken Follett, 1049 pages, C'est Les fini. Piliers de la Terre, c'est bon. On a donné. C'est fini. Voilà. Bravo à vous. Merci, à vous aussi. C'est pour ça que dernièrement, on faisait moins de retours de lecture, parce qu'on était totalement absorbé par cette lecture. Tu l'étais Voilà. surtout. Et ça a demandé beaucoup d'abnégation. Oui. Très bien. Nous sommes toujours dans l'optique des 25 livres préférés des Français. Celui-là en faisait partie. Peux-tu nous donner son classement, s'il te plaît? Attention, attention. 25. Voilà, c'est le dernier livre Voilà. préféré des Français. Dernier de la liste. Quand on On voit. précise qu'on a lu le dernier et qu'on ne lira pas le premier. Quand on voit l'épaisseur du bouquin et quand on voit la petitesse des caractères à l'intérieur, on comprend. Pourquoi celui-ci est arrivé dernier? Mais quand on connaît l'histoire. Alors, qui es-tu, Ken? Ken, il est né en 1949. Précise le nom de famille, s'il te plaît. Ah oui, Kenneth Martin Follett, à la Très base. bien. Dit Ken Follett. Il est né en 1949 à Cardiff, au Royaume-Uni. Très bien. C'est un auteur britannique. Oui. Il a tout d'abord été journaliste, puis il a commencé parallèlement avec son taf à écrire un livre. Très bien. Ça lui a plu, ça a marché, donc il est écrivain. Donc celui-là fait partie de la série La fresque de Kingsbridge. Le pont du roi. Il y en a quatre. Donc le 2, c'est Un monde sans fin. Le 3, Une colonne de feu. Et le 4, Le crépuscule et l'aube, qui est récemment sorti en 2020. Très bien. Est-ce que tu peux citer d'autres petits livres illustres? Ah oui, nous avons L'arme à l'œil, qui est un très bon roman policier historique qui a reçu le prix d'Edgar Allan Poe. Seconde Guerre mondiale, espionnage. Et également, nous avons Le code Rebecca. Seconde Guerre mondiale, espionnage. Très bien. C'est toujours. En fait, il écrit de l'espionnage, du policier et de l'historique, en fait. On parlera plus tard de la trilogie du siècle qui se rapporte aussi aux piliers de la Voilà. Terre. Parallèlement à ça, Oui. Ken adore la musique. Oui. Il est musicien, il joue de la guitare basse Très et bien. il chante. Très bien. Voilà. Parfait. Il a eu un petit groupe, il me semble, de folk. Très bien. Bon, c'est un auteur qui est mondialement connu, hein. C'est Il en a ça. vendu par centaines et centaines de Et milliers. oui. Très. Est-ce qu'il est important de Oui, préciser qu'il est vas-y. commandant de l'ordre de l'Empire britannique? Oh, bravo. Et c'est un érudit, mais c'est aussi quelqu'un qui a un grand cœur, comme C'est ça. tu peux le Il a préciser. également fait don de son ouvrage d'hommage Notre-Dame de 148 000 euros Il a à la fait. cathédrale de Dol de Bretagne. D'accord, il a fait un don. Oui, 148 000 euros, tous ses bénéfices du livre, Très bien. de son petit récit. Très bien. Bon. Il s'inspire beaucoup dans les romans historiques Oui. du patrimoine français. Oui. Il adore le patrimoine français. Voilà. Très bien. Également dans celui que je te disais que j'avais, parce que je suis forte pour acheter les tomes 2 et 3, Oui. sans acheter le 1, Très donc bien. j'avais une colonne de feu. Très bien. Et là-dedans, il s'est inspiré du patrimoine français. Bon, ben voilà. Très bien. Qu'en as-tu pensé, toi, des Piliers de la Terre et de ces 1049 pages? Alors, le pitch, on va pas en parler 50 ans, Oui. parce qu'il nous faudrait 50 ans pour en parler. Voilà. On va seulement préciser que ça se passe en Angleterre, au XIIIe siècle, et ce sont des destins croisés entre royauté, noblesse, clergé et tiers-état, Oui. et tout ce joli monde s'organise autour de l'édification d'une cathédrale. Voilà, on va pas aller plus loin, ça sert à rien. Très Bref, bien. deux axes de lecture. Le premier, attention, ce bouquin-là, c'est un marathon littéraire. Ça veut dire que 1049 pages écrites tout petit, chaque page, il se passe quelque chose. Ce sont des dizaines et des dizaines de personnages qui rentrent en action. C'est un jeu de pouvoir, enfin, ce sont des jeux de pouvoir. Oui. Des jeux de chaises musicales, c'est-à-dire que dans première partie, c'est tel roi avec tel archevêque, tel comte seigneur et tel paysan. Attention, il y a une guerre, tout est remis en question. C'est plus roi, c'en est un autre avec un nouvel archevêque, un nouvel évêque, des nouveaux paysans et tout ça. Et c'est un éternel recommencement. C'est une boucle en Voilà. fait. Mais attention, ceux qui sont disparus peuvent revenir.
aussi, avec des trahisons, des coups d'État, des complots. Il se passe, chaque page, il se passe un truc. Voilà. Donc, on a lu. Je l'ai lu en 48 heures. En deux jours, elle l'a lu en deux jours. Moi, j'ai une certaine expérience de lecture. Oui. Ça veut dire qu'en une nuit, je peux lire 250, 300 pages, par exemple, pour un Serge Brussolo, en une nuit, c'est fait. Celui-ci, en 100 pages, j'avais le cerveau en ébullition. Il réclame... C'est compliqué, il y a trop d'informations, oui. Il n'y a pas de temps mort. Voilà. Ça réclame une énergie mentale incroyable. Mmh. Au bout de 100 pages, je sortais de là, j'étais épuisé. Vraiment. C'est un livre que tu dois lire sans penser, en fait. Il faut avoir une attention au maximum. Voilà. Si tu es fatigué, tu as une grosse journée, tu dis « Ah, je vais m'évader. » C'est pas là-dedans que tu vas partir. Ou alors tu lis une page et tu t'endors direct. Non, c'est quelque chose. C'est un livre qui réclame vraiment un lecteur attentionné. Très bien. Voilà. Donc, ça, c'est le premier avertissement. Mmh. Voilà. Deuxième avertissement, ça reste un roman magistral. Vraiment, magistral. Moi, je pourrais que le conseiller. Pas à tout le monde, mais pour quelqu'un qui se dit lecteur, il faut au moins l'essayer. Voilà. C'est magistral. De toute façon, c'est un talent qui est unique. On ne captive pas des lecteurs sur 1049 pages si on n'a pas un certain talent, une certaine connaissance de son sujet. Voilà. Oui, peut-être également donc, parce que c'est très bien recherché et parce qu'il a travaillé avec des professionnels. Totalement, totalement. Dans la trilogie du siècle, qui est un peu conforme à ce bouquin-là, ça se passe, c'est une trilogie qui se passe sur tout le XXe siècle avec les guerres mondiales. Les étudiants en histoire s'en servent comme base pour leur thèse. Mmh. Donc ça montre un peu le niveau de connaissance qu'il y a là-dedans. C'est le travail d'une vie. C'est ça. Que ça soit dans l'époque, dans l'histoire. Mais comme je disais, ça s'articule autour de la construction d'une cathédrale. Et il y a certains passages, c'est carrément des cours magistraux d'architecture. Ça veut dire que le type est calé... Ouais, il est passionné de toute façon. Donc, Ah oui, il est calé de A à Z. Et malgré tout ça, c'est passionnant. C'est passionnant. Ça veut dire qu'il a même le talent pour garder l'attention. Il y a des jeux, comme je disais, des jeux de pouvoir, des trahisons et tout ça. Mais il y a quand même du sentiment. Donc il y a de l'humain. Ce sont des familles, des personnages qu'on va suivre sur 40 ans. Donc il y en a. Bon, je ne vais pas trop spoiler, mais c'est carrément des familles entières qui vont se déchirer, se créer, s'unir, procréer. C'est... Oui, la procréation. Donc, en conclusion... Oui. Voilà, parce qu'on ne va pas non plus parler trop longtemps. En conclusion, vous n'aimez pas l'histoire? Non, absolument pas. Vous n'avez pas une certaine expérience de lecteur? Non, il ne faut pas y aller. Voilà, vous n'arriverez pas à l'apprécier. Vous voulez des lectures légères? Non, non plus. Faut pas y aller. Si vous voulez rentrer dans une aventure, c'est une vraie aventure, c'est une épopée. Hein. Si vous voulez un truc qui vous captive pendant de longues nuits, moi celui-là, j'ai dû mettre plus de deux semaines pour lire. Voilà. Si vous voulez vraiment rentrer dans... C'est plus qu'un livre en fait, hein. C'est une vraie épopée en fait. C'est... Voilà. Oui, pour moi c'est passionnant, mais c'est un livre qui réclame beaucoup, qui exige beaucoup de son lecteur. Très bien, et eh bien merci beaucoup pour ton avis. Je pense qu'on a été... droit au but. On a été bon, encore une fois. Oui, je pense, également. Est-ce que tu veux préciser quelque chose par rapport à ce roman ou pas? Il n'y a rien à préciser. Non mais par exemple... Toi, c'est l'historique, c'est pas du tout ton domaine. Ah non, domaine, moi j'aime pas l'histoire. Hmm. Non. Très bien. Est-ce que je le conseille? Non. Il avait une très belle phrase que tu... Ah ouais, mais je l'ai dit tout à l'heure. C'est bien. Que pour comprendre le présent. Oui, pour comprendre le présent actuel, l'époque dans laquelle on vit maintenant, il faut connaître le passé. Je suis pas vraiment d'accord avec ça aussi, donc... Par contre, c'est un auteur qui a l'air... Enfin, un homme... qui a l'air passionnant. Totalement.
Voilà, je suis sûr que tu as pu discuter avec lui, enfin pas moi, parce que du coup ces sujets-là ne m'intéressent pas, mais waouh, voilà. Qui ignore comme le passé. Dis, il est intellectuel, il n'est pas bête et il a l'air d'en savoir beaucoup. Et d'ailleurs, il parle français. Il adore la France en fait. Voilà, donc ouais. Qui ignore le passé est condamné à le revivre. Sérieux ? Voilà. Ah, ça sera notre conclusion. Ah mince, j'espère qu'on n'a pas 9 vies alors. Bon, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, notre prochain retour, ça va être quoi ? C'est une très bonne question. Les casqués. Ah oui. On n'a pas fini. Nous avons vu aussi un film sur Netflix. Un autostoppeur avec une hachette. Oui. Un reportage. On fera le retour. C'est extravagant. Et pour les plus attentifs, attention, nous avons un nouveau élément de décor. Attention qu'il se trouve par là. Coucou Edwige. Très bien. Voilà, on va vous mettre une petite photo de plus proche parce qu'elle est magnifique. Merci à vous. Merci. Et bonne soirée. À bientôt.